verra bien. En attendant, on est parti pour une petite game fully sportive avec Kennen sur la top lane. On est face à un Ryze top, donc ça va pas être fastoche. Mais bon, on va tout donner, on va voir ce que ça va donner. Ok, c'était déjà bon. Je vais mettre ça là. Parfait, donc nous avons un Echo AP jungle certainement, vu qu'on est sur le patch 6.11 pour tout ce qui venait d'arriver. De base, je voulais jouer Jax. Malheureusement, Jax face à Ryze, c'est du suicide, donc je ne l'ai pas pris. Donc voilà, du coup on va tester. Vous êtes excellent en stream, après le cas c'est je pense un autre exercice. Oui, Mac le Corbac, donc là on parle justement pour tout ce qui est sur YouTube. On parle justement du drama qu'il y a eu par rapport à OGaming et le mot e-sport qui avait été mal employé par notre très cher patron Arnaud. Et en gros on disait que OGaming niveau e-sportif c'était les numéro 1 et que c'est pour l'instant on n'existait pas sur le côté e-sportif. Et je suis bien d'accord, je suis totalement d'accord avec ça. Mais le but est quand même d'expandre un peu nos marchés, tu vois, j'essaie de faire en sorte de pouvoir toucher plusieurs marchés. Il y en a beaucoup qui doutent un peu de nos capacités, mais je pense honnêtement que vous n'avez pas écouté nos casts parce que je pense qu'on a l'un des meilleurs casters analystes français. Genre, je pense que Kaelan en analyste, c'est l'un des meilleurs en France. Genre, moi, je place Twix et Kaelan au top des analystes parce que j'ai pu caster avec la majorité. Et il faut bien savoir que moi, étant directeur TVLOL, j'essaie de regarder énormément la concurrence pour essayer aussi de faire évoluer la chose. Donc, c'est très très important, je pense. Et je vais essayer de faire en sorte qu'on arrive à récupérer les droits un jour, en tout cas je ne sais pas quand. Mais en gros les gens nous sous-estiment je pense. Et là le pauvre Echo qui est mort, hein, là ouais, fun le pauvre Echo. Donc il a mis son Z, le stun on n'oublie pas, hein, le stun sur le patch 6.11 a été légèrement nerf. Donc il est passé de 2,25 à 1,75, donc forcément c'est un peu la galère. Voilà, on prend ça. Ok, on prend le farm, il m'a mis une petite auto, donc forcément les creeps l'ont tapé. Ok, belle esquive de ta part mon ami. Donc là c'est le boss de C. Non, je suis pas le boss de C, mais genre je m'occupe de la TV LOL de C. Ok. Pas très voir cet entraîne mon ami. Voilà, un petit décret qui approc. On va essayer de gérer ça. Ok, parfait. Donc on va mettre notre Zen maintenant pour essayer de poke le Ryze. Le seul problème c'est que Ryze, c'est chiant. Ok, on lui a mis en montrée là encore une fois. Il fait trop le beau le Ryze là. Du coup c'est un peu la merde. Donc le truc c'est que sur le LSS vous verrez pas être Twix. Ah je suis d'accord. Par contre Twix pour le LSS c'est un monstre. Et là il est chez au gaming. Mais là pour l'instant ils ont augmenté leur pool de casters au gaming. Et ils ont fait le meilleur choix possible, hein. Twix en cast c'est vraiment le meilleur choix possible. Après le but aussi du cast c'est enfin le but des entreprises de base, c'est de faire en sorte qu'il y ait quand même de la concurrence. Donc ça on va essayer de faire en sorte de faire grossir des casters quand on aura bien entendu des compétitions, si on en a un jour. On l'espère. Ouais, je préfère flash out là, même si c'était pas ouf le flash très honnêtement. Je préfère le faire pour éviter de me faire avoir comme une petite crotte. Comme ça c'est bon. Donc faut que je fasse attention quand même au petit Ryze. C'est vrai que là il m'a mis une bonne cage et que Ryze ça suit extrêmement bien les ganks. Pour l'instant je suis quand même bien au niveau du farm. Genre j'arrive à suivre le farm du Ryze, c'est totalement normal. Ah dommage, touche pas. Ok, faut que je fasse attention, il a pas encore son passif, il est encore assez loin, mais faut que je fasse gaffe. Je vais le laisser push, car là si je me laisse pas push, je vais prendre relativement cher. Et si je meurs là, je perds masse farm, donc je n'ai pas le droit de mourir. Là c'est le moment où tu n'as pas le droit de mourir. Ok, parfait, il est level 4, il a un level d'avance sur moi, donc c'est compliqué. Donc juste qu'on est très bien l'e-sport aussi, après à part Kalen, il n'y a pas de vrai caster chez EC malheureusement. Je pense en être un correct honnêtement, genre sur le play-by-play je pense être plutôt bon. Après c'est vrai que le truc c'est qu'on n'est pas assez je pense. Et ça c'est un souci, mais ça se fait, ça s'apprend. C'est un métier les amis, un métier ça s'apprend toujours. Tu pourrais essayer de start Z, savoir si ça rentabilise plus la lame de Doran que le Q-spell, oui. Oui c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant. La bonne ward en tout cas. Tu le s'il te plaît. Merci. Merci à toi pour ce kill. Donc là j'ai mis une ward, hein, entre les deux bush, hein, vraiment fantastique. Ça c'est une ward full e-sport ça aussi. Ils l'ont contrôlé un peu bien entendu sur le thème e-sportif, hein, voilà. Juste que les gens se prennent la tête pour ça, alors qu'en vrai ça a pas de raison d'être. Donc pourquoi ne pas reprendre DFG juste pour des casts. Mais en gros il nous faudrait un analyste. Je pense qu'il nous faudrait plus qu'un analyste, il nous faudrait un caster place by place maintenant. Genre actuellement, si seulement on veut se lancer dans le e-sport, comme qui dirait, il nous faudrait plus un place by place parce que là, en réalité, si on doit cast quelque chose, je serais obligé de cast tous les matchs
avec un analyste, vu que nous n'avons que des analystes chez EFC. Mais le problème, c'est que les casters plays by plays, il y en a très peu. Donc c'est quand même assez chaud. C'est quand même assez chaud. Donc EFC a mérité de perdre les droits LCS. Par contre, je suis d'accord, le fait que l'on n'ait pas été assez sérieux sur les précédents splits de LCS a totalement mérité notre perte de droits, tu vois. Ça, c'est totalement normal. Ça, je comprends tout à fait. Parce que au final, quand c'était Kaelan et moi qui cassions, c'était correct, on essayait d'être toujours un peu sérieux. Mais c'est vrai que ce n'était pas toujours le cas de tous les duos. Donc là, par exemple, il y en a qui mentionnent le Kasha Paldé. C'est vrai que c'était pas leur passion, le cast. Et du coup, c'est pour ça qu'on a enlevé le... On les a enlevés du cast, tu vois. Parce que juste, c'était pas leur truc et qu'ils ne voulaient pas faire ça. Donc c'est logique. Donc, par contre, Loris va forcer comme ça là, tout le temps. Ça va être chiant à gérer ça, hein. Donc t'as deux gros casters avec les étoiles de l'esport. Oui, mais par contre, les étoiles de l'esport, c'est très drôle. C'est quelque chose de très très drôle. Oh, il saoule. Je sais qu'il va me zoner comme ça tout le temps. Parce que Ryze, c'est le genre de perso qui peut te burst tes morts genre en l'espace de 2 secondes. Donc je préfère attendre. Il a encore son flash, il a encore ses summoners, donc vaut mieux rester vigilant, sinon ça va être chaud. Ok. Est-ce que je peux faire ça? Ok, je l'ai one-shoté déjà. Donc 40 à 47, il met quand même une avance au niveau de farm. Ok, c'est chiant. Allez, tue-le s'il te plaît. Oh, est-ce qu'il a... Oh, il a pas range. Dommage, seulement il avait eu la range pour aller chercher. Ça aurait été parfait. Ok, il m'a mis quand même relativement cher. J'ai acheté moi ça, je vais acheter un petit cristal de rubis, je vais partir sur ma ceinture en first item. Est-ce que je devrais partir sur la ceinture en first item? C'est là ma question. Oh genre, please. Please. Là, il va falloir que je back là. Voilà, back TP, on est bien, on perd un creep d'XP. C'est pas très grave, mais c'est vrai que Loris joue bien. Loris a l'air d'être plutôt pas mauvais. Il met un bon off-farm là pour l'instant. Et c'est vrai que le pick Kennen était peut-être pas le meilleur. Ouais, il était peut-être pas le meilleur, ouais. Donc vous n'avez plus les droits. Alors non, on n'a pas les droits des LCS actuellement. Genre voilà, on l'a dit, on l'a répété à moult reprises. Mais nous n'avons pas encore les droits de LCS. Donc check le don. J'ai pas entendu le don, frère. Ok. Parfait. Donc ils ont pris un kilo bot. Putain, j'entends tellement pas le son. Il me faudrait un casque double oreille hein, ici. Hein. Parce qu'en vrai, le casque simple oreille, j'entends rien autour. Enfin, j'entends rien autour. Il n'y a pas de son en fait, j'entends pas le son du jeu et tout. Je sais pas si pour vous c'est bon. Voilà, petit trade, pas besoin d'aller chercher plus. Face à un Ryze, c'est toujours très compliqué d'aller chercher le trade long. Du coup, on prend des trades courts, on repart, on lui met mid life et ça se passe très très bien. J'ai mon ultimate dans 20 secondes, donc il vaut mieux attendre. Ok, donc Skiller Jungler c'est un Lee Sin, ok, faut que je fasse gaffe. Parce que le petit kick peut aller très très vite. J'ai mon flash quand même, donc ça va. Donc j'ai bien fait de l'utiliser en early pour justement essayer d'être safe. Car là, si j'avais donné un kill dès l'early game face à ce Ryze, ça aurait pu être terrible. Son de jeu très très bas, ok. Ce sera peut-être mieux comme ça. A vous de me dire. Je vois pas les dons, c'est intéressant. C'est quoi la différence entre un caster et un analyste? Les deux peuvent être des casters, mais il y a des rôles particuliers dans le cast. C'est ça que je veux dire. Casse les couilles ça. Genre vraiment c'est horrible comme perso Ryze à lane. J'ai quasiment pas infligé de dégâts alors que j'ai mis l'ultimate. Ok, on prend Drake, c'est parfait. Il a mis son ultimate là. Là il a son passif, ok classique. Il peut leur flash? Non. Je pensais qu'il avait flash K, j'ai essayé de me full burst. Mais il aurait pu prendre très très cher. N'empêche, il a déjà bien pété son clavier 4 fois hein, avec ce perso. Hein. C'est terrible. Hein. Je sais pas si vous gagnez quelque chose à cast. Il y a OGaming. Pourquoi les gens iraient voir autre part alors que le top est clairement sur OG? Oui, mais le but c'est justement de faire quelque chose de mieux que OG. Genre, si on prend le cast, faut faire quelque chose de mieux. Et c'est faisable. Genre, parce que leur cast est très bon. Mais il y a des trucs à faire. On va pas se mentir. Allez, salut.
Donc là, on prend un petit kill, on a été le chercher, on la flash. J'ai hésité justement à flash, puis je me suis dit, bon, j'y vais. Car là, c'est passé en forme arcane. J'ai pas voulu laisser le temps de passer sous, avec son passif, donc sous maîtrise des arcanes. Sinon, ça aurait été absolument terrible. Il aurait pu se retourner contre moi. Donc j'ai préféré le flash in pour le défoncer. Donc on prend un kill, c'est parfait. Ok, donc là on est repassé devant au niveau du farm. Je vais pouvoir acheter ma petite ceinture, acheter des bottes. Et là je vais essayer de one burst à chaque fois. Oh bien. Là par contre c'est chaud là. Dommage. Ok, ultimate, nice. Ils prennent la tour, c'est bon. Il a pas de flash. Ah oui, c'est vrai qu'il a utilisé son flash tout à l'heure sur le gank du Echo. Go mid, TI, GG wallplay. Ah, c'est bon, c'est fini. Ah, c'est terminé cette game. Ok, bon bah allons-y. Moi ouais, c'était une game intéressante les gars, ça c'est vraiment du le e-sport ça. Et beau jeu, game fini en 11 minutes. Allez go, allons-y. Donc c'est vrai que vous regardez l'essai sur un stream français. Non, le but c'est quand même que voilà, c'est ta langue et du coup c'est comme regarder un stream français en vrai. Genre, c'est comme si tu me disais, regarder un stream français de mecs qui jouent en solo queue, c'est horrible. Tu vois, genre ça aurait aucun sens. C'est comme le cas, ça peut être bien, sauf qu'il faut il faut le mettre en valeur, tu vois. Moi je trouve que gaming ce qu'ils font c'est très bien, mais je pense qu'il y a des choses à faire de mieux, tu vois. Donc après bien entendu ça, ça prend du temps. Bon par contre ça va être chiant ça. Ah ça va être chiant ça. Ok, pêchons. Les sales rats que nous sommes. Nous pêchons sur la mid lane pour ce magnifique inhibiteur. Et c'est ce que l'on appelle une game express. Hein. Là vraiment, c'est incroyable. Il faudrait qu'on stack les deux waves. Quoique, je pense qu'on peut peut-être push comme ça, les go. Allons-y. Ça n'a aucun sens, putain. Ça n'a aucun sens. Vous avez des bonnes relations avec OG? Oui, oui, moi je m'entends très très bien avec les personnes d'OG, tu sais, genre... Il a voulu faire le beau, lui, il veut nous frapper. Putain, il force. Il veut défendre sa base, quelle idée. Donc c'est bon, on va pouvoir terminer. Merci. 12 minutes de game. Intéressant. Intéressant, intéressant. Bah là, on est sur ce qui s'appelle un record du monde hein, de game fini en ranked. Hein. En ranked diamant 1. Attention. Attention. Eh, laisse-nous finir par contre. S'il finit pas. Si il laisse pas finir, ce serait chiant. Non, par contre, il faut finir les creeps, c'est chiant ça aussi. Oh non, mais il a tué Jean aussi, il casse les couilles. Il a vraiment une sale gueule lui. Oh non! Ça rentre dans le mur mon truc! Hop les. Parfait! Fini donc! Non! Allez hop! Et c'est les 50 gold du... Non! Bon bah c'est pas les 50 gold du Nexus, mais c'est quand même une victoire en 13 minutes! Voilà! Une ranked express! Donc la game de 13 minutes, on a réussi à tuer le Ryze une fois en 1v1. C'est tout ce que l'on devait voir. Après, ça les a fait craquer. Bot lane perdait déjà. Mid lane perdait hard. Et top lane, ils ont vu que c'était fini. Ils ont fait bon, allez, c'est bon. Open mid. 13 minutes 24 pour la première game sportive de la journée. Et voilà, on est un conjureur. Niveau 3 Kennen, conjureur. Donc, c'est allé vite alors qu'ils auraient largement pu gagner. Très honnêtement, ils auraient pu 1000 fois gagner. Mais le TF, je sais pas ce qui lui est arrivé. Je pense qu'il a une déco, un truc chelou. C'était assez. C'est assez. Assez bizarre. Donc, bon. Donc, bon. Bref, sinon c'était cool, merci à vous tous d'avoir regardé cette petite game. Voilà, si vous étiez sur YouTube, vous venez de voir la game la plus rapide du monde. Un petit speedrun de League of Legends. Et pour vous tous qui êtes sur live, bah du coup on va enchaîner. Et on va voir comment ça va se passer pour la prochaine game. Donc allons-y, et on va essayer de jouer Jax cette fois-ci. Parce que Jax, ça a été up, et c'est beau jeu.